Eh bien salut tout le monde, c'est Flodide, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Injustice 2 et aujourd'hui on se retrouve pour faire la suite donc du mode histoire. La dernière fois on avait fait le chapitre 5 sur Green Lantern, donc là on passe au chapitre 6 sur Blue Beetle et Firestorm. Allez c'est parti. Mais Batman nous prend pas au sérieux. Les extraterrestres débarquent et on se retrouve de garde. On surveille Superman et sa bande. Qui ont déjà des gardes. On garde des gardes. On sert à rien. Jason prend du recul et voit les choses dans leur ensemble. Je préfère être ici que là-bas. Cette armure est une machine de guerre alien. Entre ça et votre matrice Firestorm, si on affronte Brainiac, boum! On peut faire sauter la planète. Raimé a raison. On ne maîtrise pas totalement ses pouvoirs. Professeur, Raimé, écoutez-vous parler! Nous, on est des pointures. Et la place des pointures, c'est pas ici, c'est au front. Tu es sur la ligne de front. Brainiac qui se déchaîne, c'est une crise. Brainiac et Superman à la fois. Là, c'est l'apocalypse. Alors on est le dernier rempart entre la crise et l'apocalypse? Vu comme ça, ça me va. Ou le fan club de Superman. Dans les deux cas, je propose qu'on fusionne. C'est parti. La cellule de soleil rouge est OK. Ça doit être... La centrale électrique. S'ils la détruisent, les générateurs s'arrêtent. Et il pourra sortir d'ici. L'un de nous s'occupe d'Adam, l'autre relance les générateurs avant que Superman puisse s'échapper. Un plan minable. Vous allez plus probablement mourir ici. Prépare le générateur. Quelle est cette magie? La science. Champ d'impédance basique. Sur un autre ton, Chimère. Tu as peut-être deux esprits, mais j'ai la sagesse d'un dieu. Ok, on est parti pour ce premier combat, donc, avec Firestorm. Je jouerai Blue Beetle pour le combat d'après, je pense. Par contre, Firestorm, c'est vraiment le perso que je joue jamais, quoi.
Bon, j'ai eu la première barre de vie avant lui, donc c'est déjà pas mal ça. Ok, bon, ça va, il a un peu gâché parce qu'au final il me manquait à peine 160 PV donc. D'accord, c'est plutôt énervé comme ulti quand même, mais. Relève-toi, tu embarrasses Chu. Oh là là, le pré-shot! Sachant que je connaissais pas l'ulti de Firestorm en plus, je l'ai. Il est vachement fort quand même, hein. Ok, premier combat validé. Ça t'apprendra, monsieur Sagesse. Demi-tour, il faut qu'on boucle la cellule de Superman. Eh ben, mon père a vu ses critères à la baisse. Vous tenez tellement à impressionner Batman, tous les deux. Pourquoi? Il est faible. Si ton père est faible, tu es quoi, toi? Je tiens plus de ma mère. Je vais donner une leçon à ce mocoso. J'espère que j'aurai jamais un fils comme toi. J'étais l'enfant parfait. C'est Batman qui n'a pas été un père à la hauteur. Ah, je déteste ce Robin. À la base, Nightwing, je le trouve cool, mais... Là, Damian Wayne, j'avoue, il me casse un peu les couilles. Je fais des combos, je sais même pas comment je fais. C'est en mode Scarabeco. Scarabeco, ça n'existe pas ce nom. Oh là là, mais c'est pas fort. Ouais, il est vraiment stylé, Blue Beetle. Et voilà, sans perdre une barre de vie. Tu devrais respecter ta familia. Wonder Woman est dehors. Elle tient le reste des gardes à distance. Si c'était pas elle, qui t'a fait sortir? C'est moi. Kara. Une autre kryptonienne? Tu me reconnais, Cal? Mes parents m'avaient donné une image de toi. Tu es ma protectrice. Désolée, j'ai quelques années de retard. On a quitté Krypton en même temps, mais l'explosion a fait dévier mon vaisseau de sa trajectoire. De beaucoup. Tu n'as pas pris une ride. Hyper sommeil. J'étais dans la glace pendant que tu grandissais. Je ne pensais pas revoir un jour quelqu'un de ma famille. Avec mes yeux, mon sang, tu as connu mes parents. Ils t'aimaient tellement, Cal. Diana a besoin d'aide. Cyborg, combien de temps? Donne-moi 5 minutes, après extinction des feux. Je ne veux pas te laisser. Je serai là. Ella está sobre tu nivel. Pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi? T'as largement le niveau! Les Kryptoniens sont arrivés! Allez, Batman compte sur nous.
Palmer est plutôt doué. Sa cryptographie tient la route. Mais je finirai par la craquer. Victor, derrière toi. Tu fonds, Cyborg. Générateur de soleil rouge! Il faut qu'on réactive la console avant que Superman retrouve ses pouvoirs. La récréation est terminée. Je veux Cyborg. J'étais fan quand t'étais quarterback pour les Fortes Titans. Déjà à l'époque, t'avais un bras canon. J'aurais jamais cru te surveiller en prison un jour. Quarterback? Ça, c'était dans une autre vie. Et je ne suis plus ton prisonnier. Non, j'avoue que je suis pas trop fan de Firestorm. Par contre, The Beetle, je trouve vraiment cool comme perso. Dommage qu'il soit pas très connu. Je suis sûr que ça pourrait faire une bonne série ou un bon film. Ok, ok, ça va, je m'en sors pas trop mal. Oui, d'accord. Ah, ça c'est relou. Lâche ton arme. Le professeur a dit non. Ok, bon. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Plus personne ne t'acclame maintenant. Brainiac est trop fort pour Batman. Je suis votre seule chance. Je t'explique, Superman. Batman nous a demandé de l'aide. Il nous a pas enlevés, fait signer un serment de loyauté ou menacé de nous enfermer. Il ne va pas assez loin. C'est pour ça qu'il va perdre. Éloignez-vous de lui! Kryptonienne, le professeur sait comment te régler. Vous êtes aussi mauvais que l'avait dit Wonder Woman et Placada. Rends-toi maintenant et j'arrêterai. Les Kryptoniens ne se rendent pas. Kal-El, que ça vous plaise ou non. Je prends le relais. On a besoin de l'aide de Kal, petit. Tu ne sais pas de quoi Brainiac est capable. Non, mais je sais de quoi Superman est capable. Oh.
Ok, j'ai pas pris un seul dagger, ça c'est pas mal. Ah, dommage. Ah, très bien. Tu te bats comme un noob. C'est jamais assez bien avec toi. Alors, Andy, tu te bats comme un noob. Comment c'est possible qu'elle dise ça? Ah bah pas très forte hein cette super guerre. Pas folle, pas folle. Qu'est-ce que je te disais, Raimé? On est bon, on a piégé Wonder Woman sous 3 mètres d'acier. Vous vous êtes bien battu. Mais ce combat est fini. Vous voulez que je fasse quoi? Professeur, c'est de la folie. On peut peut-être le contrôler, mais... C'est vrai. On n'a pas le choix. Sors d'ici, Raimé. Mais au Christo, Jason, tu vas nous atomiser? C'est le seul moyen. Allez, pars! Partez, partez tous, ou vous allez prendre un sacré coup de soleil. Tu préfères raser Metropolis que laisser Superman partir? Si ça peut sauver la... Firestorm, ça suffit! Qui es-tu? La cousine surprotectrice de Superman. Tu gardes tous tes petits secrets, mais tu supportes pas qu'on en ait pour toi, hein? Pas vrai? Tu ne peux pas battre Brainiac, Bruce. Tu as raison, Diana. Je ne peux pas. Qu'est-ce que... Alors tu es prêt à battre Brainiac par tous les moyens possibles? Par les moyens dont je dispose. Quel est ton plan? Tu as toujours 3 coups d'avance. Pour l'instant, j'essaie de sauver le monde. Je ne retournerai pas dans cette cellule. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, le monde a besoin de nous. Demandez, Brainiac. Il y a eu des développements inattendus. Kal-El est libre. Mais plus étonnant encore, il n'est pas le dernier Kryptonien. Il y a une autre rescapée. Deux Kryptoniens? Continue comme prévu. Kal-El n'a pas encore repris toutes ses forces. Mais n'oublie pas, les Kryptoniens sont à moi. Grâce aux infos de Flash, on sait où se trouvent tous les vaisseaux de la flotte de Brainiac. Ils ciblent les villes les plus importantes de chaque continent. D'abord, ils commencent par atterrir à la périphérie. Et ensuite, ils avancent progressivement depuis la banlieue jusqu'au centre-ville. Laissez-nous un moment. Écoute, Batman, à propos de la prison, C'était imprudent. Ne refais jamais ce genre de manœuvre. Tu peux te rattraper en terminant une autre mission. Discrètement. Nous devons évacuer ces villes avant d'attaquer la flotte. Mais il faudra d'abord rétablir les communications. Alors, avant de commencer, Cyborg va reprendre le contrôle de l'œil. Je ne suis pas le SAV de Batman. Là n'est pas la question, Victor. Mmh.
Kara a vu de ses yeux comment Brainiac a détruit Krypton. Elle pense qu'il reste moins de 48 heures avant que la Terre ne subisse le même sort. Sans une bonne coordination, nous allons perdre un temps précieux. Par conséquent, nous devons récupérer l'œil. Catwoman et Harley t'accompagneront. Tu auras besoin d'elle pour accéder à la Batcave. Donne-moi les coordonnées. J'ouvrirai un portail et je m'y téléporterai. Impossible. J'ai décompilé la technologie de la boîte mère de ton armure. Essaie de te téléporter dans la Batcave. Et au lieu de boum, ça fera splash. Alors, comment on y entre? Par les souterrains. Un tunnel y mène sous l'asile d'Arkham. Je vous emmène toutes les deux à l'asile d'Arkham? Si tu me jures que ce sera pas bizarre ou quoi? J'ai besoin de passer quelques heures dans le solarium de la forteresse de Solitude. En supposant que tu ne l'aies pas détruite. Pas encore. Damian, Adam, suivez-moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester là. On planifie l'attaque. Une fois l'œil remis en marche, on se mobilise. N'oubliez pas, dehors, il n'y a pas de régime. C'est fini. Alors, on ne tue pas. Allons-y. Viens avec moi. Pourquoi tu l'as gardé? Gardé quoi? J'ai oublié que c'était là. Et donc voilà pour cet épisode 6, j'espère qu'il vous a plu. C'était l'épisode basé sur Blue Beetle et Firestorm. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à demain pour la vidéo sur Catwoman et Cyborg. Ciao tout le monde.